Et nous dit bienvenue à vous-même qui t'attend une deuxième vidéo sur Bourse Roumanie. Et nous te montrer dans la première étape là comment pour capable créer compte là. Et dans l'étape ça, nous allons finir avec le processus là. Côté nous allons montrer où. Toute dernière étape pour capable arriver postuler dans Bourse. Et nous allons rappeler encore si on Bourse qui est 100% financé. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de payer rien pour pouvoir postuler. Et le fin de postuler, si vous êtes bon, ou bien si vous êtes approuvé par une université que vous avez choisi, vous pouvez bénéficier de logement et vous pouvez payer pour étudier et vous pouvez recevoir une allocation mensuelle. Vous avez une chance de bénéficier d'un cours langue gratuit. Et si vous choisissez un cours qui fait dans l'autre langue, tout, soit anglais, ou bien espagnol, si il faut qu'à prouver. Mais si c'est dans la langue ou bien on choisit d'étudier, on n'a pas besoin de prouver que vous parlez langue ça. Puisqu'il y a un coût à disposition. Ok, pour nous commencer, là nous allons connecter. Nous te montrer aux gens pour créer compte là dans la première vidéo. Ou même qui n'a pas de chanson. Ou la première vidéo, nous conseillons. Cherchez. Dans la liste de vidéos sur la chaîne, là, vous trouvez. Il faut te finir créer compte là ou te gagner un mail un mot de passe ou venir ou cliquer sur connecter. N'a pas mettre lien ça pour dans description vidéo. OK, là fin regarder vidéo descend dans description vidéo ou puis joindre lien pour capable connecter sur compte. OK, là ou mettez mail ou te créer compte là ou mettre mot de passe sous, sans problème ou cliquer sur connecter. OK, une fois au fin connecté là ouais, on dit bienvenue, ça c'est nom qui m'a créé compte là, Joyce Ryan. Là nous allons suivre comment ça va aller. Pas oublier tout ça, fait aussi poser le lit bien parce qu'il y a une erreur capable de coûter en pile. OK, là on dit mon candidat est complète parce qu'il y a une information pour commettre. C'est vraiment pour commettre information. Là, c'est un code chaque monde gagne, qui c'est un code unique. On va regarder 2023, puisque l'année c'est 2023, et puis il reste là qui c'est 111, 502. Ça, c'est information supposée qu'on côté. Si on joue d'avoir oublié le mot de passe, on va connecter ce code-là. Avec code ça, on est capable d'écrire. Et si pour que ce site-là, on est capable de récupérer le compte sans problème. Okay. Là, on va descendre. Il y a 6 étapes. Première étape, là, je dois remplir les données personnelles, qui sont nom, prénom, adresse, l'autre bagaille, comme ça. Après, je vais télécharger une copie de documents. Documents, CV, relevé de notes, pièces d'identité, tout ça. Et je vais choisir l'université. Ensuite, je vais examiner la candidature. Je vais prendre une réponse. Réponse là, c'est mon cap géré bourse là. Comité cap évalué, réponse là, sorti dans main. Et après, ma gen pour à l'étudiant Romani, c'est ma prouvé. Pour capable connaître tout détail sur Romani, ou capable connecter sur le site web ça, qui c'est étudiant Romani, ou bien capable monter sur Google ou taper étudiant Romani, pour capable gagner toute information. Ok, pour nous commencer. Et nous voilà à la première étape là qui c'est vérifier votre candidature pour nous capables de remplir les données. Nous allons aller nous cliquer pour nous capables de lancer la première étape là. Pas oublier chaque étape qui implique des parties là-dedans pour prendre en considération. Et si vous arrivez sur ce site là, vous avez trouvé dans l'autre langue, soit anglais ou bien langue roumaine ou bien espagnol. Ou capable de changer l'anglais très facile dans Google. Là, c'est condition pour capable postuler. Pas oublier, pour capable postuler, il faut que vous soyez un citoyen qui fait partie des pays qui sont dans l'Union européenne. Mon côté, là, tout est dit, il faut un citoyen qui est d'origine roumaine. Mon côté, tout ça, il faut que vous soyez tout ça. Mais vous-même, avant côté, il faut lire avec un peu d'attention. Pour capable est-ce que pas gagne une condition ça ou pas respecté. Et si vous avez gagne ou pas respecté,
Non, conseil ou pas même besoin de perdre du temps pour s'y aller. Parce qu'il y a une condition, ça, ou déjà. Café ou pas approuvé. Ok, si vous avez bénéficié, on vous a déjà. Parce que vous avez des familles ou parents qui travaillent dans le consulat ou mani. L'offre, les tout et ou est toute information, ça, ou respectez toutes conditions, ou capable de coacher. Dernière qui dit, ou lit et ou comprend. Ok? Et après, on clique sur je comprends, ou bien moins comprendre, pour nous capables de passer dans la page suivante. Là, il y a 5 étapes pour me suivre. Premièrement, c'est information personnelle. Deuxième, c'est adresse avec nationalité. Ok, adresse nationalité. Troisièmement, je télécharge tout le document. Quatrièmement, je sélectionne l'université. Et cinquièmement, je examine et je complète et je soumets. Je vais examiner, je vais vérifier est-ce qu'il n'y a pas de côté pour faire, est-ce qu'il n'y a pas de information. Je vais modifier. Et si je finis avec tout le ok, je vais seulement soumettre candidat. Là, information personnelle, on regarde ensemble. Qui c'est non? Ok, je choisis le Joyce, famille Ryan. Mettez non, je vais mettre prénom papa. Mettez un nom, prénom maman, mettez un nom. Qui sexe? C'est homme. Et moi, je vais date de naissance, je vais mettre une date. Ensuite, je vais mettre un civil, je vais mettre marié ou bien célibataire ou bien divorcé. Là, je choisis de mettre celle qui est célibataire. Qui profession? Si vous travaillez, vous êtes capable de mettre. Bon, moi, je choisis de mettre étudiant. Je m'a demandé de travailler comme c'est étudiant. Je choisis de mettre IH comme un lieu où je m'a étudié. Là, je suis capable de retourner dans l'étape suivante, ou bien l'étape précédente, disons. Si je n'ai pas besoin de ranger, pas de bon. Si je veux continuer, je veux enregistrer ça, je veux dire, pour me vérifier quelque chose. À n'importe quel moment, je vais retourner pour continuer. Et si je veux passer dans l'étape suivante, là, ça veut dire tout ça, je vais mettre un juge qui est bon, je vais seulement faire suivante. Là, je vais arriver dans la deuxième étape, dans le formulaire. Pas oublier, avant de montrer dans ça, tout le document doit être scanné, tout ça m'a besoin. Ok? Pour arriver dans la deuxième étape, là, qui c'est location, qui c'est adresse, pays côté me fait. République d'Haïti, vous choisissez, vous cliquez sur cette flèche là, vous rejoignez qui ville, mettez en ville, et qui passeport, mettez qui pays que vous avez, bon, vous choisissez République d'Haïti, numéro passeport, mettez-le. Depuis que le passeport a été fait, vous choisissez, mettez en date, qui a expiré, mettez en date, ou même vous mettez vraie date qui n'a pas passeport. Là, il m'a dit qui côté ma vie actuellement, pays de résidence, mettez Haïti, qui ville, mettez en ville, adresse moi, mettez rue, numéro, ville, département, et puis pays qui c'est Haïti. Sans problème. Qui nationalité, mettez citoyenneté, disons, République d'Haïti. Ok? On fait l'étape suivante. Sans perdre du temps, on n'a pas avancé avec reste étape. Là, c'est côté ou alguien pour télécharger tout fichier. On fait attention pour pas mélanger fichier. Ça veut dire on conseille nous bah chaque fichier on a par exemple x x ou bien x d'archive ou bal non ça passeport ou bal non ça pour les télécharger ou pour pas télécharger un fichier dans place yon l'autre sans problème. Là, on peut mettre qui niveau d'études m'a vie fait. Si fin que ça fait philo. Normalement, si on a un baccalauréat, on va le faire. Ça nous est les licences là. Si vous êtes dans le philo, vous pouvez postuler pour le faire un baccalauréat. Ou bien une licence, ou bien pour l'étudier. Et vous pouvez faire premier cycle université. Si vous êtes fin de faire une université déjà en Haïti, ou bien une licence, vous pouvez le faire un master ou bien ça nous est les maîtrises d'eau. Là, vous cliquez sur master. Si vous avez une maîtrise déjà, ou bien vous avez un master déjà, ou bien vous faire un doctorat, vous cliquez sur doctorat. Sans problème. Là, à droite, je dis, est-ce que besoin d'une année préparatoire dans la langue humaine? Je dis oui. Ça veut dire que je fais une année coût et gratis pour moi dans la langue. Ça. Je choisis oui. Je conseille tout le monde pour oui. Là,
c'est niveau d'études secondaires que je fais en Haïti. Note que je fais, je mets. Si notre là est sous 100, on capable mettre que j'en ai sous 78 moyenne ou bien 80 comme moyenne. On va chercher sur Google pour comment évaluer note ou te faire en Haïti sous système romain. Ça veut dire si tu fais moyenne 9 points 88 ou bien en Haïti comparer avec système romain pour qui note les balles pour évaluer. Très important. Chercher comment évaluer de 1 à 10 ou garder on appelle ça ou garder comment évaluer ce système romain. Après m'a regardé, j'ai dit mon diplôme qui me gagne qui peut te bonne si ça en Haïti, me fait m'a de République d'Haïti. On choisit natif là ça et puis me prendre sans problème. Là on va télécharger document, faut me faire un CV. Nous conseille au point 100 pour faire CV. Mettez tout petit détail, toute formation suivre, tout séminaire participer, toute conférence ou participer. Toute l'autre activité ou faire en dehors de l'université ou en dehors de l'école est très important pour mettre le CV bien détaillé. Ok? Vous pouvez télécharger un modèle CV ou tout sur Google. Là, vous pouvez télécharger le certificat de naissance ou bien ça nous extrait des archives ou dimanche acte de naissance. Ou. Là, vous pouvez télécharger 4 identités ou bien passeport. Si c'est passeport, vous pouvez scanner 3 premières pages. Ok? Tout fichier ça en PDF. Après, on peut télécharger certificat mariage si vous mariez déjà ou bien si vous êtes divorcé. Si vous pouvez encore quitter ce passage vide. Ensuite, on peut télécharger diplôme secondaire. Mon qui te fait retour filo, on peut télécharger tous les deux, c'est okay. Bac unique, on peut télécharger celle ça okay. Ensuite, on peut télécharger relevé des notes là. Pas oublier, me dit, wap, nommer chaque fichier ça pour pas faire le télécharger sans problème. Après, m'a téléchargé attestation. Attestation qui dans dernière année, par exemple, m'a fini mon diplôme licence là pour après attestation là m'a téléchargé. M'a fini agronomie ou m'a fini infirmière, m'a pas rien diplôme licence moi. Attestation bien téléchargé sans problème. La fin télécharger tout document ça yo m'a seulement passé dans étape suivante. Pas oublier m'était dans 3 m'a chambé dans 4 pour me capable choisir université que m'va postuler. Pour choisir université yo sous site univers sous site bourse là na via toute université ou t'es là. Pas oublier ou connaît qui option choisir. Pour choisir une option, il faut regarder dans quelle université li. Et conseil que m'a bal pas choisir seulement université qui dans capitale là. Parce que université qui dans capitale pays a toujours gain plus choix. Ça veut dire gain plus monde qui va choisir. Et dans moment ça chance a vraiment limité. OK. Avant de choisir une université, monter sur Google, cliquer nom université à regarder ça vous enseigner qui ça que formation garder toute information pour capable bien embêter son va choisir là me choisir université Stéphane là par contre me choisir université ça ou même moi chercher ça au besoin dans quelle université enseigner dans pays me choisir sciences ingénieur comme c'est des choix. Dans le deuxième nom, choisir l'autre université, qui c'est l'Université nationale des arts. Et qui ça va enseigner là, je pense que c'est par musique, à théâtre, à visuel. Je choisis à visuel. Mais vous-même, vous connaissez ça, vous choisissez. Okay. Une fois que je choisis toute l'université, ça va. Je vais télécharger tout le document. Je passe dans la dernière phase là, qui c'est pour me vérifier. Tout ça, je vais prendre. Pas oublier. L'homme qui vient dans la phase, il dit me faire erreur parce que je ne vais pas télécharger le document moi-même. Mais vous-même, par la normal parce qu'il va télécharger document au tout bon. OK. Le rivé là, on seulement vérifier qui document qui manque. Est-ce qu'il pas gagne bagarre ou écrit qui pas bon. Si vous vérifiez tout bagarre OK. On seulement relire pour regarder est-ce que le nom correct. Est-ce que date de naissance correct. Est-ce que le numéro passeport est bien écrit.
Non, maman, non, papa, adresse où? Une fois toute information ça correct, on va seulement cliquer sur envoyer. Ok, on va suivre. Pas m'a capable bien parce que je n'ai pas téléchargé le CV, je n'ai pas mis de diplôme. Oui, là, je dis, bien heureux, je n'ai pas téléchargé le CV, je n'ai pas mis de certificat, passeport, diplôme, toute information ça on va mettre. Ou même, si vous faites une erreur, on vient là pour vérifier. Oui, là. Après toute information yo ça manque yo après yo on fiche ça on va te mettre si on va te mettre tout même j'avais monté faire ça va cliquer sur retour ou bien back review pour capable télécharger document ça une fois on fin fait ça on capable avancer ou cliquer sur envoyer. Et puis, tu peux ça ou postuler sans problème. On va pas prêter seulement pour ton email confirmation et puis ton résultat publié. Ok? Pas oublier, abonne à channel là. Quittez question dans commentaire, c'est un bagage qui paraît étrange pour vous. Et pas oublier, partager vidéo avant l'autre monde, comme ça, on est capable d'aider plus de monde jeune et plus de monde qui a une chance de participer.